biashara ndani ya bara la Afrika. Ni Ojefrem ndiye inaongoza kabisa mkutano mkuu huu wa leo wenye utaweza kuendeshwa hapa mjini Kinshasa. Yapata ujumbe ya mainchi 19 inahudhuria kabisa katika mkutano huo, kwani ukomo kabisa ni kuweza kulainisha hali ya mabadilishano ya uchuuzi, kutia huru ya hali ya uchuuzi ndani ya bara la Afrika. Ndiye kisa kabisa cha mkutano huo wa leo. Mtajua kwamba OGFM ni ofisi yenye inaongozwa na bwana Patience Saiba Mtambwe mwenye anaongoza ofisi hiyo, lakini mkutano huo wa leo utaweza kuendeshwa chini ya madaraka yake Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndiye mwenye ataweza kuendesha mkutano huo, kwani punde kidogo ataweza kuingizana katika chumba hiyo ya mkusanyo ya siku ya leo. Ni kwa kuweza tu kuangalia namna gani ya kuweza kukazanisha hali ya mabadilishano ya uchuuzi kati ya mainchi ya bara la Afrika. Bwana Oscar. Oui, merci. Je ne suis pas seul pour vous retransmettre en direct ce grand événement, la 12e Assemblée générale du comité directeur de l'Union de conseil des chargeurs africains, auquel fait partie notre pays, la République démocratique du Congo. D'un moment à l'autre, nous allons assister à l'arrivée, à l'entrée du président de la République, chef de l'État, qui est en même temps président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, celui justement qui va présider cette 12e Assemblée générale de l'Union du Conseil des chargeurs africains, qui verra aujourd'hui la passation de pouvoir entre le Burkina Faso et la RDC à la tête justement de ce Conseil des chargeurs africains, n'est-ce pas, Giscard Koussema? Merci beaucoup, Oscar Mbalkaye. D'ici quelques instants, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président en exercice de l'Union africaine, va faire son entrée ici dans cette salle des conférences à Fleuve Congo Hôtel. Les chefs de l'État qui venaient de s'entretenir il y a quelques instants avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, le sud-africain Wankele Mene. Le chef de l'État l'a reçu en présence du ministre congolais du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, et en présence également du directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal, l'OGFREM, M. Patience Saiba Tambwe. Bien avant cette audience, le président de la République qui a fait son entrée ici à l'hôtel Fleuve Congo a pris une photo avec le 19 chefs de délégation qui sont ici. 19 chefs de délégation qui représentent en fait 19 pays qui sont associés à ces travaux qui se tiennent à Kinshasa. Pour le président de la République démocratique du Congo et président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, l'activité d'aujourd'hui participe justement à ces combats qu'il a toujours menés pour la mise en application de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Le président de la République a été parmi les chefs d'État qui ont fait les plaidoyers pour que entre finalement en vigueur cette zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Dans son discours d'investiture, le président de la République démocratique du Congo et président de l'exercice de l'Union africaine s'était employé a fait un plaidoyer devant ses pairs connectés par visioconférence. Et voilà, aujourd'hui, 19 pays, c'est un pari gagné pour la République démocratique du Congo qui reprend de plus en plus sa place au cœur du continent africain. Chaque jour, de grands événements s'organisent ici. Hier, c'était au tour du président de la République de Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed, qui était reçu à la Cité de l'Union africaine pour une visite
du travail aujourd'hui. Après cette cérémonie, le chef de l'État va faire le déplacement de l'aéroport international d'Injili pour accueillir son homologue du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, qui vient ici en visite officielle de 48 heures en République démocratique du Congo. Et après, toujours grâce aux moyens techniques de la RTNC, vous allez suivre cet événement en live. En ce qui concerne cette journée inaugurale, ici, quatre allocutions sont attendues. Évidemment, la première allocution devrait venir du directeur général de l'OGFREM, M. Patient Saïba Tamboué, qui va souhaiter la bienvenue à ses hôtes démarques. Le président de l'Union du Conseil des chargeurs africains, M. Idoublo Hervé, prendra également la parole devant ces personnalités triées sur les volets. Et puis, il y aura l'allocution du secrétaire général du ZLECAF, M. Wankele Mene, le Sud-Africain, qui est ici depuis quelques trois jours. Voilà donc les moments forts qui vont marquer cet événement. Mais en ce qui concerne les travaux eux-mêmes, ils vont s'étendre sur au moins quatre jours de... C'est cette conférence internationale et puis la deuxième c'est le comité directeur de l'UCCA qui va se réunir. Donc ce sont des travaux qui commencent aujourd'hui 20 avril et qui vont se terminer le 24 avril toujours ici à fleuve Congo Odel, commune de Gombe à Kinshasa. Voilà Oscar Mbal Kaïj, la salle est bien remplie de toutes les personnalités représentant les institutions de la République, les participants qui viennent de l'OGFREM et de tous les autres services qui participent en tout cas à ces activités de l'UCCA. On a noté ici des délégués du ministère du Commerce extérieur, ceux de la DGDA. On a vu également de délégués de l'OGFREM qui accueillent ces travaux. Bref, des invités de qualité pour ce genre de travaux. Merci Giscard Koussema pour cette intervention. Je rappelle que nous sommes dans la salle auditorium ici à Kempinski Fleuve Congo Hôtel où se tient la 12e assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains organisée sous le haut patronage du président de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'idée de cette grande messe des chargeurs africains, c'est de faire participer tous les intervenants du maillon dans le domaine des transports, des marchandises sur les forces et les devis. Voilà. Je vous ai annoncé tantôt, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de faire son entrée dans la salle auditorium ici à Kempinski Fleuve Congo Hôtel. C'est justement lui, le président d'exercice de l'Union africaine, qui va présider cette grande messe ici à Kempinski Fleuve Congo Hôtel.
Merci. Veuillez vous asseoir. Rapidement, on va nous décliner le programme de la manifestation tout à l'heure. Il y aura donc Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Monsieur les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, sous votre haut patronage, il se tient à Kinshasa la 12e Assemblée de l'Union du Conseil des chargeurs africains, l'UCC en sigle, et la conférence internationale sur la zone de libre-échange continentale africaine. Le programme de la cérémonie d'aujourd'hui prévoit les interventions des personnalités suivantes. L'allocution du président de l'UCCA, le discours du directeur général de l'OGFREM, le mot du secrétaire de l'Union africaine en charge de la zone libre-échange continentale africaine et le ministre du Commerce extérieur. Suivra enfin le discours d'ouverture des assises par votre Excellence, Monsieur le Président de la République et Président en exercice de l'Union africaine. Avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Président de l'UCCA pour son allocution. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur le secrétaire général de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, membres du Conseil de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire général de l'UCCA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos grades et titres et qualités. C'est avec un insigne honneur que je prends la parole devant cette auguste assemblée en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, de l'Union du Conseil des chargeurs africain à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la 12e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Qu'il me soit permis tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements aux plus hautes autorités de la République démocratique du Congo, en particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président en exercice de l'Union africaine, pour avoir autorisé la tenue de ces assises dans cette belle capitale africaine, Kinshasa. En cette période morose de pandémie à la COVID-19, l'UCCA est particulièrement honoré par votre présence personnelle à la cérémonie d'ouverture de son Assemblée générale qui verra en marge de ses travaux l'organisation d'un séminaire sur le thème l'UCCA face aux enjeux de la mise en œuvre de la ZELTAF. Cette marque d'attention dont vous faites montre est à n'en point douter le signe de l'intérêt particulier que vous portez au développement du commerce international et particulièrement le commerce en Afrique. Permettez-moi alors, Excellence, Monsieur le Président de la République,
de saisir cette opportunité pour vous souhaiter, en mon nom propre et en celui du président du FASO, plein succès. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je ne saurais poursuivre mon propos sans adresser au nom de la grande famille de l'UCCR nos remerciements au directeur général de l'OGFREM, mon très cher frère Patience Saïba Tambe, pour l'accueil et l'hospitalité réservés aux délégations ainsi que la parfaite organisation de la présente cérémonie. À tous les participants, sachez que nous sommes honorés par votre présence et nous vous en sommes très reconnaissants. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour rappel, l'UCCA a été créé en février 1977, il y a de cela 44 ans. C'est un organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et regroupe à ce jour 19 États représentés par leur conseil des chargeurs avec pour mission d'œuvrer à une synergie d'action pour la promotion du transport et du commerce extérieur des États membres, veiller à l'assistance et à la défense des intérêts des importateurs et des exportateurs sur l'ensemble de la chaîne de transport. La réflexion qui sera faite au cours du séminaire qui se tiendra en marge de nos assises permettra de définir le rôle que l'UCCA devra jouer dans le cadre de notre collaboration et coopération pour la mise en application de la ZELCAF. L'enjeu est donc important pour l'UCCA pour mieux s'imprégner des enjeux de la ZELCAF et profiter de sa position stratégique entre le public et le privé et acteur majeur de la facilitation des échanges et de la protection des chargeurs pour rendre plus performantes nos économies et enfin assurer le développement de notre très cher continent. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en tant que président sortant de notre union, puisque à l'issue des présentes assises, mon frère, le directeur général de l'UGFREM, président dorénavant au destiné de notre organisation, je voudrais lui souhaiter tous mes voeux de réussite pour une UCCA toujours plus unie et plus forte. Je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter une pleine réussite à nos assises, un franc succès avec de bonnes résolutions et des engagements forts pour le développement de l'Afrique. Au regard de la qualité des participants, je n'ai aucun doute que nous y parviendrons. Vive l'UCCA, vive l'intégration africaine, que le Seigneur bénisse l'Afrique. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre très aimable attention. Voilà, il y aura 4 locutions et la deuxième c'est tout à l'heure. Après la locution. Nous invitons Monsieur le Directeur Général. Voilà, c'est Patience Saïba Tambwe. De l'OGFREM à prendre la parole. Patience Saïba Tambwe, c'est le Directeur Général de l'OGFREM et c'est le futur président en exercice de cette. Institution et c'est lui qui va donc prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes des marques. Jusqu'à la passation des flambeaux, c'est aujourd'hui même entre le Burkina Faso et la RDC. Effectivement, entre l'entrant et les sortants, heureusement que tous sont francophones. Et nous allons écouter Patience Saïba Tambwe. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Monsieur le Secrétaire Général de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement,
Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de l'UCCA, Monsieur le Secrétaire Général de l'UCCA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec humilité et immense honneur que je prends la parole ce jour à l'occasion de l'ouverture officielle des travaux de la 12e Assemblée Générale de l'Union des Conseils des Chargeurs Africains en marge de la conférence internationale consacrée à examiner la contribution des Conseils des Chargeurs dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cependant, avant toute chose, je tiens à rendre gloire à l'Éternel notre Dieu qui, dans sa grâce infinie, a permis la tenue de ses assises à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le moment est tout aussi indiqué de présenter mes hommages révérentiels à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a honoré l'UCCA en plaçant les présentes assises sous son haut patronage. Preuve, s'il en fallait, de son engagement à la cause d'une Afrique émergente que nous appelons de tous nos vœux. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, je vous prie de recevoir, au nom de tous les conseils des chargeurs africains ici présents, l'expression de notre profonde considération. Je saisis également cette occasion pour remercier Son Excellence Wamke Lemene, secrétaire général de l'ASLECAF, notre invité à ses assises, qui a daigné accepter d'accompagner l'UCCA au cours de cet important forum. Your Excellency, thank you for your presence. Enfin, je tiens à souhaiter la cordiale et fraternelle bienvenue à mes pères de l'UCCA, collègues directeurs généraux des conseils des chargeurs, ainsi qu'à tous les invités pour s'être délestés de leurs moultes charges et d'avoir bravé divers risques de voyage afin d'honorer l'invitation de la République démocratique du Congo. Les uns pour prendre part aux travaux de la 12e Assemblée Générale et du comité directeur de l'UCCA, les autres pour la participation à la conférence internationale sur l'ASLECAF, et d'autres encore pour les deux activités combinées. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs distingués invités, une compréhension sommaire du thème de notre conférence de ce jour nous amène à comprendre que l'exercice consiste à établir une relation de complémentarité et ou de causalité positive entre le travail de notre organisation régionale africaine, en l'occurrence l'UCCA, et le programme à large portée qu'est la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. À l'instar d'un affluent qui déverse ses eaux dans un fleuve afin d'en accroître le potentiel et le débit, les conseils des chargeurs doivent comprendre que leurs missions sont au centre et consistent à irriguer l'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine. Ils sont censés accompagner cette œuvre tant que la quintessence de leur travail est intimement liée à l'objectif ultime poursuivi par l'ASLECAF, c'est-à-dire promouvoir le commerce extérieur de nos États. En effet, lorsqu'on parle de libre-échange, on pense directement et principalement au commerce des marchandises qui doivent être déplacés d'un endroit à un autre en vue de la réalisation de l'opération d'échange. Et pourtant, la gestion du fret consiste l'essence même des missions des conseils des chargeurs. La relation entre les deux est donc une évidence patente. Il est donc évident qu'on ne peut évoquer le libre-échange sur le continent africain sans penser aux conseils des chargeurs qui sont censés être aux premières loges de la mise en œuvre de ce processus. L'objectif ultime par les conseils des chargeurs dans la gestion du fret est de promouvoir le commerce extérieur des États africains en impactant favorablement à la baisse les prix à la consommation, bref, rendre compétitive l'économie des États africains, ce qui rencontre à bien des égards l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, fort de ces missions et en jetant un regard rétrospectif, il y a lieu de souligner et de saluer avec fierté les grandes réalisations accomplies par les conseils des chargeurs et ce, non seulement au bénéfice des chargeurs, mais aussi leurs états respectifs et d'autres organismes publics concernés. L'une des grandes réalisations des conseils des chargeurs africains est sans doute le développement et l'opérationnalisation de l'instrument de traçabilité de fret connu sous l'appellation de bordereau électronique de suivi des cargaisons et ou de fiches électroniques de renseignements à l'importation en République démocratique du Congo. Ce document permet notamment d'assurer la traçabilité et le suivi de la marchandise de bout en bout de manière à anticiper sur les opérations de dédouanement par la mise en place d'un plan financier et des réductions des coûts de séjour, de lutter contre la fraude douanière et de contribuer à l'accroissement des recettes au profit du trésor public, notamment grâce à la communication aux cordons douaniers de la vraie valeur des produits importés en quantité et en valeur, de constituer une banque de données économiques et commerciales, facilitant ainsi la production de statistiques fiables. Aussi faut-il noter, dans la plupart des pays, les conseils des chargeurs font partie des comités nationaux de facilitation du commerce et veillent dans ce cadre principalement à la lutte permanente contre les barrières physiques, tarifaires et non tarifaires, avec un regard vigilant sur l'application des accords et programmes d'action d'Almaty sur le transport de transit des pays sans littoral. Dans ce contexte, l'organisation de cette conférence internationale, en marge de la 12e Assemblée générale de l'UCCA, tombe donc à point nommé. Car un des objectifs poursuivis est justement de mettre en avant l'importance stratégique pour tous les pays africains à ratifier l'accord portant création de la ZLECAF afin de pouvoir bénéficier des avantages qui en découleront. D'autre part, il sera question de démontrer que des craintes ou des menaces redoutées par certains États sont en réalité sans incidence négative majeure sur leurs économies et leurs finances publiques. Et pour preuve, à ce jour, 37 pays ont déjà ratifié l'accord sur la ZLECAF contre seulement 22 en 2019. Il y a lieu de constater que sur les 37 pays ayant ratifié l'accord de la ZLECAF, 17 sont membres de l'UCCA et il en reste encore 2 à qui nous lançons un appel solennel pour satisfaire à cette exigence. Sans pour autant anticiper sur les conclusions et recommandations de cette conférence, nous pouvons d'ores et déjà en imaginer quelques-unes qui puissent concourir à l'implémentation satisfaisante de la ZLECAF. Il s'agit de 1. La signature d'un mémorandum d'entente entre l'UCCA et le secrétariat général de la ZLECAF. 2. L'octroi d'un statut d'observateur à l'UCCA au sein des différents comités de la ZLECAF. 3. L'appui à l'UCCA par le secrétariat de la ZLECAF afin que le conseil des chargeurs soit créé dans tous les États parties. 4. La priorité à accorder à la question des financements des infrastructures de transport et au développement des projets intégrateurs, à l'instar du projet de construction du port sec de Kasumbalesa en République démocratique du Congo. 5. Le changement progressif de paradigme dans la configuration du commerce international de nos États. Excellences, Monsieur le Président, chef de l'État, les plus déférents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au lieu de continuer à perpétuer l'extraversion de nos économies et privilégier les échanges commerciaux avec les partenaires traditionnels de l'Afrique, l'heure a sonné d'intensifier les échanges intra-africains. Il est donc l'heure de songer à la réduction de la dépendance économique et commerciale extérieure de l'Afrique si nous voulons réellement créer une véritable zone de libre-échange au sein de notre continent. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et président en exercice de l'Union africaine, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au regard des considérations précédentes et tenant compte de l'objectif ultime poursuivi par la ZLECAF, il est tout à fait indiqué que le Conseil des chargeurs accompagne cette initiative en renforçant de ce fait leur rôle et leurs interventions. Les assises de cette conférence internationale, organisées en marge des réunions statutaires de l'UCCA, constitue donc naturellement le cadre indiqué permettant d'émettre des pistes de connexion et d'harmonie ainsi que de collaboration entre nos actions et les conditions d'exercice optimales de la zone de libre-échange, principalement sur les choix prioritaires des étapes
de l'intégration. Je pense à cet égard à la suppression des visas pour les opérateurs économiques et autres citoyens, à la définition des produits échangeables et à la fixation des prix standards de transport en fonction du mode de transport requis. Cependant, loin de surfer sur du déjà entendu et du déjà connu, nous appelons de tous nos voeux l'originalité à imprimer dans la tenue de ces assises, laquelle devra reposer moins sur les discussions théoriques et des hypothèses, mais davantage sur la manière concrète d'accompagner la mise en œuvre de l'ASLECAF. Aujourd'hui et au cours de ces assises, nous sommes certainement appelés à prendre part ou à prendre le ferme engagement de parler de l'ASLECAF dans les faits et dans les actions. L'ASLECAF a véritablement besoin de prendre corps. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distingués invités, mesdames et messieurs, l'ASLECAF n'est certes pas du bis repetita, mais plutôt une vision, mieux un rêve de tous les Africains. Et comme l'a dit poétiquement une plume américaine, nous citons, si nous ne partons pas à la poursuite de nos rêves, nous ne les atteindrons jamais. Fin de citation. Je nous exhorte donc à ne laisser personne nous convaincre que nos rêves sont plus grands que pour nous, en dépit du fait que l'enjeu de la mise en œuvre de l'ASLECAF pourrait paraître à première vue gigantesque. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, je ne saurais terminer mon allocution sans rassurer votre haute autorité du respect strict de vos instructions quant à la tenue parfaite de ces assises qui réunissent, outre les 19 pays membres de l'UCCA, des éminentes personnalités venues de toutes les régions d'Afrique représentant leurs institutions respectives. D'autres encore nous sont venus de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, du Moyen-Orient, de la Chine, et ce, en dépit des restrictions induites par la pandémie de COVID-19. Excellences, Monsieur le Président, avec l'expression de mes hommages déférents, votre pays a accueilli plus de 90 délégués venus de l'extérieur. Somme toute, il va sans dire qu'au terme de leur 12e Assemblée Générale et le comité directeur, les conseils des chargeurs prendront des engagements fermes pour soutenir la mise en œuvre effective de l'ASLECAF, un des agendas majeurs de votre mandature à la tête de l'Union africaine. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, messieurs les membres de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, puisse l'éternel Dieu Tout-Puissant inspirer nos dirigeants, les gestionnaires de nos différentes institutions publiques, nos secteurs privés ainsi que le peuple africain dans toutes les actions qui seront entreprises afin de réussir le pari de la mise en œuvre de l'ASLECAF et voir enfin émerger cette Afrique prospère qui jouera un rôle de premier plan sur la scène économique mondiale. Que Dieu bénisse nos présentes assises, que Dieu bénisse l'Union des conseils des chargeurs africains, que Dieu bénisse l'ASLECAF. Je vous remercie. Et après ce mot, c'est le secrétaire général de l'UCCN, justement, qui va prendre la parole pour son allocution des circonstances. Et patience à Emmanuel, nous invitons, que vous avez suivi, Monsieur le secrétaire général de l'Union africaine en charge de la ASLECAF, à prendre la parole. Thank you very much, Program Director, Your Excellency, President Tshisekedi, the President of DRC and Chairperson of the Assembly of Heads of States and Government of the African Union, the President of the Senate, the President of the National Assembly,
honorable ministers who are here today, the Minister of External Trade, members of the Bureau of the Supreme Court, members of the Diplomatic Corps, Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, the Director General of EGFREM, the Chairperson of the Union of African Shippers Council, the Secretary General of the Union of African Shippers Council, distinguished guests, distinguished ladies and gentlemen. It's an absolute pleasure for me to be here in Kinshasa. This is my second visit since I was elected last year by the 33rd ordinary session of the Assembly of Heads of States and Government of the African Union. And I want to congratulate the government of the DRC. I want to congratulate EGFREM and the Union of African Shippers Council for convening a meeting at a time when it seems that the rest of the world is being confronted by the pandemic. But here we are today because of the courage of the government of DRC and the courage and the vision of EGFREM to make sure that we meet in person, and that as humanity we do not give in to the pandemic, and that as humanity we continue fighting against the pandemic whilst discharging our duties. The Organization of African Unity, as far back as 1963, had a vision of defeating colonialism and a vision of an integrated Africa. I would dare say that that vision, with the demise of the apartheid regime in my country, I would dare say that that vision has been achieved. Of course, we know that our founding mothers and fathers did not end there. That's not where the vision of our founding mothers and fathers ended for Africa. The next phase is market integration, economic integration on the African continent. And today, we have an African Continental Free Trade Area, which has been ratified by 36 countries. And the DRC, I congratulate the government, also has ratified the agreement, and we await when DRC will deposit her instrument of ratification at the right time, of course. This signals to me and to any reasonable observer that Africa is turning a new page. This signals to me that 37 countries on the African continent have committed to trade liberalization, reducing barriers to intra-Africa trade, reducing barriers to intra-Africa investment, and creating a single set of rules for trade and investment on the African continent. It is truly a remarkable achievement that in less than 5 years, as Africans, we negotiated a far-reaching agreement that will place Africa on a path to industrial development, that will place Africa on a path to value-added production over the next 30 to 40 years. We're here today to witness and welcome the initiative and efforts of one of the major stakeholders of the AFCFTA, the Union of African Shippers Council. This initiative falls in two ambits of the AFCFTA, namely trade in goods, and in particular customs procedures, transit and trade facilitation. It also falls in the area of trade in services, which as we all know is one of the main pillars of the agreement establishing the AFCFTA. I want to applaud the leadership and the members of the Union of African Shippers Council for this initiative, which is intended to fully utilize
and make use of the opportunities that the AFCFTA offers. There is no doubt in my mind that what you have started creates awareness on the need to ensure an environment for seamless flow of goods and services on our continent. As you know, today the African continent, the economy of Africa, is characterized as follows: shallowness of productive capacity, lack of industrial development, smallness of national economies, a continued reliance on the export of primary commodities, which keeps us and sustains what I call a colonial economic model, which is not good for Africa and is not good for the rest of the world. We trade at a low rate of 18% amongst ourselves as Africans. We trade oranges for oranges. We trade apples for apples. There's very little value-added production and very little value-added and manufacturing that happens in Africa. In 2014, KPMG did a study, and they found that Africa produces close to $6 billion worth of coffee, which we export. But the global coffee market is close to $100 billion. We export coffee abroad, it is processed abroad, and creates a market of close to $100 billion. This suggests to me as an African that we have got to do something about the condition of under-industrialization, underdevelopment on the African continent. No single country in Africa can trade itself out of poverty. No single region in Africa can trade itself out of poverty. We have a market of 1.2 billion people with a combined GDP of $3.5 trillion, which is projected by the year 2035 to be close to $8 trillion. We have a market that potentially is as big as China and India if we unite as a continent, and if as a continent we break down barriers to trade, if as a continent we break down barriers to investment, and we break down barriers to movement of persons and movement of business persons across the African continent. Where we achieve this as Africans, where we achieve this as Africans standing on the shoulders of the founding fathers of this great continent, we certainly will be on track to lift 100 million Africans out of extreme poverty, out of moderate poverty, by the year 2035, where we implement this agreement effectively. It's a very positive projection about Africa's potential where we implement the AFCFTA. The positive projection is not going to happen on its own. It's not going to happen by chance. We as Africans will have to take our destiny into our own hands. We as Africans will have to put in place an industrial development action plan. We as Africans will have to work very hard to make sure that the border procedures are in compliance with the ZELICAF, with the AFCFTA, to make sure that trade facilitation, goods in transit, that actually they do happen. Otherwise, we will be accused of having entered into a massive diplomatic exercise where we take photographs, but there is no implementation on the ground. And so I commit today, Your Excellency President, to work with you under your leadership of the African Union, to work with our private sector, to work with the Union of African Shippers Council, to make sure that implementation of ZELICAF does actually create commercially meaningful opportunities for small and medium enterprises, for African corporations, for African industrialists, for the services sector on this great continent of Africa. We shall engage in industrialization of Africa, establishment of regional value chains, not for their objective,
of disconnecting from the rest of the world, not for the objective of being isolationists, but for the long-standing objective of achieving industrialization on the African continent. That is why it is so important that in the next 15 to 20 years, we implement this agreement aggressively, and we implement this agreement to create opportunities for young Africans who are coming behind us. Trade agreements are not about the past. Trade agreements are about the future. And we know that by the year 2035, half of Africa's population will be young people entering the job market. That is why it is so critically important that we work together as Africans and with partners from around the world to implement this agreement for the future of Africa. I was very encouraged, Your Excellency President. I went to Kasumbalesa. My senior brother, the DG of OGFREM, took me to Kasumbalesa to see the vision that this country has of being a leader in logistics, in trade facilitation, in transit of goods, and to position this country and Kasumbalesa as a very strategic entry point from Southern Africa, from West Africa, from East Africa into the country DRC, so that we expedite the implementation of Zelecaf, and so that through the dry port, which is a very compelling vision, through that dry port, we can actually position Africa to double intra-Africa trade by the year 2035, because it is in visions such as the dry port of Kasumbalesa that actually that is where trade happens. That is where we see the transit of goods that are very, very critical to the economies of our regions, to the economy of the town of Kasumbalesa itself, and that are absolutely critical and vital to the objectives of the AFCFTA. Your Excellency, President of the Republic, I wish to once again commit the AFCFTA Secretariat under my leadership to work with you to support the objectives of the African Union in implementation of this agreement, on which we stand at the cusp of seeing deliverance of Africa's great potential. We, however, cannot remain a continent of great potential forever. We cannot remain a continent of the future forever. We have to capture the future for Africa today. We have to capture the future for young Africans today. And so I'm very, very encouraged by your leadership and that of your government and your leadership of the African Union Assembly of Heads of States and Government. I thank you very much. Voilà, c'était là le mot du secrétaire général de la ZLECAF, c'est ça? Nous invitons Monsieur le ministre du Commerce extérieur, voilà, pour son discours. Qui a donné quelques clés, notamment pour le développement de l'Afrique, notamment l'industrialisation de l'Afrique, pour faire sortir des milliers d'Africains de la pauvreté. Il a parlé de l'intégration économique et même de Kasumbalesa, qui est une des portes d'entrée stratégique. Selon le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des institutions financières internationales, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, messieurs le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, mesdames et messieurs les représentants des communautés économiques régionales, mesdames et messieurs en vos titres et qualités,
Je suis profondément honoré de prendre la parole ces jours à l'occasion de cette conférence internationale axée sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui se tient sous le haut patronage de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique en exercice de l'Union africaine, envers qui je réitère mes hommages les plus déférents. J'aimerais en la circonstance, tout en saluant la présence en ces lieux du secrétaire général